j'ai testé pour vous, pour l'Office du tourisme de l'Armentirois, chez notre partenaire Dubreux Location, le location d'un minibus. Mon contrat de location du minibus chez Clovis Location Dubreux Location à Houpline, les clés de la bête qui va nous emmener cet après-midi en visite guidée à Armentières. Voilà la bête qui va nous servir pour la visite guidée de la toile au ruban. Je suis donc maintenant la conductrice officielle du minibus de Dubreux Location pour l'Office du tourisme de l'Armentierrois, pour notre visite guidée de la toile au ruban. Il n'y a qu'une frontière à franchir, c'est la Lys, qui est un circuit minibus qu'on a mis en place dans le cadre de nos visites guidées de la MEL. Donc, nous avons donc 6 personnes normalement qui nous accompagnent cet après-midi, qui partent avec moi en visite et qui vont profiter de ce trajet de Houpline jusqu'à Armentières. Sans encombre, se conduit très 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 facilement. C'est une boîte automatique, donc ayant l'habitude d'avoir des boîtes automatiques, j'avoue que ça ne me perturbe pas plus. C'est très particulier au niveau de la marche arrière, mais bon, ça, voilà, c'est très 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 sympa à conduire. On est très haut, donc j'avoue qu'on a une visibilité assez dingue sur l'ensemble de la route. Heureusement, hein, parce que c'est quand même un minibus. Maintenant, je vais aller manger et puis je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, la visite est finie. Le minibus, voilà, tout le monde est reparti. On a passé un bon 2h30, 3h ensemble. C'était avec un grand plaisir que j'aurais fait découvrir l'industrie textile sur Armentières, avec à bord de ce minibus loué donc chez Dubreux Location à Houpline, qui est un partenaire adhérent de l'Office du tourisme. Je rends le minibus, je suis sur le parking de Dubreux Location. Donc avec le fameux code, vous avez pu voir, j'ai ouvert cette grille. Donc pour le rendre, le samedi après-midi ou dans la nuit ou etc. Je vais fermer le contact. Ça me fait petit quelque chose, voilà, de quitter ce minibus. Voilà, ma première expérience en minibus. J'avoue que c'est assez plaisant, assez particulier parce qu'il faut vraiment bien faire attention au niveau de la longueur du minibus. C'est une question d'habitude, je pense. Petit bus, peut-être à une prochaine fois, hein, qui sait, hein, un autre circuit. Et puis, j'ai peut-être une petite idée de circuit mémoire. Donc, qui sait, à bientôt. L'aventure se finit concrètement. Je vais redéposer les papiers du véhicule avec ses clés.